Ok. Bonsoir, bienvenue. C'est la reprise en ce janvier 2022, voilà. La reprise après les vacances. Tout simplement, je sais plus. Dix-huit décembre, le dernier live, hein. Ce qui est pas mal, ça fait un moment quand même. On va continuer Dark Souls 2, tout simplement. J'espérais pouvoir le finir avant Elden Ring, qui sortira fin janvier. À mon avis, c'est infaisable. Voilà. Bon, on l'entrecoupera avec du live Elden Ring, je pense, le moment venu. Voilà. Ouais, c'est parti ou quoi? Il est parti? J'ai le son, je check si j'ai le son. Allô? Allô? Eh bon, ça bug ou pas? Eh bon, ça bug ou pas? Ah mais non, c'est nickel! C'est nickel en fait! Bon bah c'est parti, il y a deux, trois petits changements, vous verrez de design, voilà, d'interface, de ce live. Non, rien de particulier. Vous verrez qu'on est un peu axé sur les followers là. En ce moment, faut qu'on gagne des followers. Et j'ai changé le cadre de la caméra, j'en suis très content. Voilà. Peut-être faudrait que je mette une bordure blanche entre la bordure animée et mon cadre. Un truc très fin. Je vais peut-être tester ça. Je vais voir comment ça rend là. Hop, excusez-moi. Comment ça rend sur le live? Ouais, c'est pas mal. La bordure noire en bas est peut-être un peu fine. Ça passe en vrai. Ça rend le cadre sympa. Après le reste, c'est lisible là. Ça m'a l'air lisible, hein. Bon, bah écoute, on part comme ça. On avait fini plus ou moins un arc. J'ai dans l'idée, on a des âmes. Alors, je sais pas trop, il m'en faut 34 000. Ouais, on avait fini une branche, on était allé tout au fond. Tout là-haut, là-haut, là-haut en face. Et maintenant, on va, je pense, rebifurquer sur un deuxième truc. Vas-y, je vais faire un point vite fait. Je vais regarder où je veux aller. On se fait un point ou quoi? Allez, on fait ça. Alors, donne-moi deux petites secondes. Image. Je dois avoir une carte quelque part. Ça dit quoi? Ok, bah écoute, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Voilà. Pourquoi pas une 3D? Ok. Vas-y. Alors du coup, on va se remettre en vert. Hop. Hop. Donc tu vois le délire ou pas? Qu'est-ce qu'elle fait la caméra là? J'étais flou. Bon, bah voilà, ça c'était la dernière fois qu'on avait fait un point. Là, il y avait besoin pour aller ici, là, ce que je vous montre ici, l'anneau du roi. Anneau du roi qu'on a trouvé en fait ici. Hein. Donc en fait, on a fait ça. Voilà. Et on a eu cet item. Alors, je vais l'entourer d'une couleur, je vais l'entourer en rouge. On a eu cet item là.
qui nous permet d'aller ici. D'aller ici. Et d'aller ici. J'ai rien oublié. Ah, ok. On est bientôt fini quand même. Hein. Il nous reste 3 grosses maps plus. Donc c'est ces 3 là. Sont là. Plus après des petits trucs ici, tu vois. Et ça là. Ça on l'a fait. Je change de couleur. Ça on l'a fait. Voilà. Ça nous avait permis d'avoir les 4 âmes de boss là. Vous voyez les petits feux pour ouvrir le passage ici là. Voilà tout simplement. Donc voilà un peu le programme. En fait, en vérité, il nous reste pas longtemps. Hein, on fait Aldia's Keep, Dragon Harry, Dragon Shrine. Et après, on aura cette espèce d'ancien. C'est quoi, comment ils disent le brouillard. C'est marqué Ashen. Ashen, c'est Ash, c'est la cendre. C'est le brouillard de l'Ashen One. Je sais pas comment on traduirait. Donc tu vois, là t'as des trucs dont t'as besoin. Donc écoute, Throne of Wands. Et puis bien sûr, après il y a les DLC. Alors là, ça va être de la merde. Je vous le dis direct. Mais bon, on verra. On va les faire, bien sûr. Mais c'est pas visible sur cette map là. Donc on va monter là-haut. Hein. On va faire ça là. On va faire ça. Donc on se rend ici. Voilà, tout simplement. Ok, c'est parti. Bah, c'est parti. Il faut que je vous remette quand même le. Ça, c'est des coups à bien se faire avoir quand même. Voilà. C'est des coups à bien se faire avoir, j'ai envie de te dire. Allez, on va essayer d'avancer un peu. C'est là et c'est là, je dirais. J'espère qu'on va un peu quitter le côté caverne, squelette, crypte et tout. J'aime pas ces endroits-là. Ça sent l'embuscade, bien sûr, mais on avait déjà été jusque-là. Pour se rendre compte que la porte était bloquée. Déjà, je me prends une fiole là, c'est quand même merdique. Est-ce qu'ils me veulent du mal quand je les passe? Mmh. Qu'est-ce qu'on a comme anneau? Je suis humaine, blablabla, blablabli. Regardez qu'il y a un ennemi ici, c'est marrant ça. Il y a un soldat qui meurt qu'une fois, je pense. Présenter le symbole du roi, ah ben c'est là qu'il me faut un. Le fameux anneau. Que tu le vends, j'imagine que t'es mort comme il faut. On regardera les stats après. Faut pas que je meure, j'ai quand même pas mal d'âmes. C'est quoi, c'était ça hein. Les attaques physiques. Ok. Ça fait peur lui.
Il y avait peut-être un PNG. Bon, la porte se referme, d'accord. Je vois des trucs rodés. Putain, dès qu'il y a un monde ouvert, c'est fou, tout le monde s'y est mis. Des malédictions très vite là, très rapide, très très rapide les malédictions. Ok. Un feu là derrière. Crâne élégant. Tête nécessaire droit devant. J'irai bien au feu d'abord. Ça va en vérité. Alors, c'est quoi cette histoire? Quoi, c'est un coffre de merde? Ils font une roulade derrière. Oh putain de merde! Putain, c'est impossible de les détecter là! Ils respirent pas, ils font rien. Après, t'as trouvé. Non, les crânes élégants, c'est pas ça que ça fait, je suis con. C'est les amulettes qui le font s'ouvrir. Je me tente très bien parce qu'il est proche du feu éventuellement. Même s'il y a les petits toutous là. Qui s'éloigne. C'est possible ça? Je les aggro pas. Ouais, ça les aggro pas mal hein. Non, bon. Je le tape ou pas? Y a pas beaucoup de vie. Il aurait pu me baiser là instant. Un crâne monstrueux. Un masque sombre. Que j'ai chopé. Crâne monstrueux. C'est une espèce de massue. Ok. On se rappelle que l'épée que j'ai actuellement me fait perdre de la vie quand je tape, mais bon. Je me suis fait un peu avoir, quoi. Mais elle tape très bien. Ok. Là, on a dit qu'il n'y avait rien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Comment tu meurs toi? Oh, hello!
Putain, c'est pas la première fois que tu viens ici, my boy. Ouais, parce qu'il faut toujours que j'augmente ma foi. Mieux comme ça, non? J'ai plus le brouillard, ouais, j'ai plus le brouillard. Cheval nécessaire droit devant. Derrière. Une espèce de musique, enfin de pas de musique, de bruitage quoi. Il fait froid dans le dos. Nappe vacillante, ok. Y a quelqu'un? Ok. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'âmes, vous voyez. Battez en retraite, il y a un levier là. Ok. J'aurais bien fait quelques âmes en plus, vous voyez. Barrière magique renforcée. Bon là, il a l'air d'avoir des trucs de ouf devant ces machins. Non, t'es mort toi. Ah mais non, 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 non. Est-ce qu'elle fait mourir définitivement? J'aurais tout ça à me tartiner?
Anneau rituel du Nord plus 2, os de dragon pétrifié. Anneau rituel du Nord plus 2. Utilisation de plus de sorts mais réduction des PV. Ok. Un lamprillon. Je ne sais pas ce que c'est. Augmente les dégâts infligés, réduit les dégâts subis. C'est quand même pas mal ça, mais bon, j'en ai que deux. J'en ai que deux, ce qui fait que ce n'est pas la folie en fait. On a fait le tour de cette room là, c'est très bien. Je pense qu'on a suffisamment, ouais, pour prendre un level. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, parce qu'on n'a pas rencontré non plus tant d'ennemis. Il y a quand même du brouillard là. On va faire ça. Le feu est là, franchement, c'est là pour l'instant. C'est plutôt reposant, on va dire. Ce qui est pas mal. Hein. Ok. Alors. La technique, c'était que... Ici, je ne peux pas utiliser lance de foudre majeure. Parce que la lance de foudre majeure, il faut level 42. Et que moi, j'ai un level 40. Donc on a encore besoin de l'anneau. Mais du coup, je vais le prendre ce level-là en foi. Comme ça, on n'aura vraiment plus du tout besoin de l'anneau, quoi. Et après, on partira sur... Sont peut-être de l'endurance ou de la vie. Au choix. Au choix, au choix, au choix. Ça va être là. Ah ouais, bien sûr, il y a tous les boss secondaires là de la guilde. L'espèce de secte. Ouais. Ça j'avais zappé. Il y a quand même pas mal de boss à faire là. En temps, dans le jeu normal encore. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et est-ce qu'on va faire envahir? Bon, on se tente le brouillard. Ah, c'est un PNJ. Ok. So while I slept, he sealed the both of us.
against humans. But how is it that you go about defining good and evil? J'avoue. Non. S'il me demande de tuer un PNJ, je vais pas le faire. Faire un meurtre. Comme ça, quoi. Très intéressant. Très intéressant. Je sais, c'est incroyable parce que c'est ça que j'adore aussi dans les Dark Souls, bien sûr. C'est que tu ne sais pas de qui parle et ça me rend fou. On pourrait supposer qu'il s'agit du magicien, du mec, du PNJ qui t'enseigne la magie. Histoire de dire il veut se débarrasser du mec, du pélo. Je sais pas. Bah, est-ce que j'ai le choix? Super. Masque d'acolyte draconique. Attends, des trucs depuis tout à l'heure. Ça me fume. Il y a le levier qu'on n'a pas essayé aussi. Ok, alors toi... On est guère avancé. Mais bon, tant que je suis en haut, je vais continuer. On viendra au levier plus tard. Ah, là, il y a un truc à tirer malgré tout. Bon, ok. Alors, what we have here? Mmh.
Yes. Ok, il y a un coffre là. Au-dessus. Où est-ce que ça me mène cette histoire? Est-ce qu'à un moment donné, il arrive à se défaire? Donc il est sous une cage, l'autre en face, il est libre. À tout moment, toutes les cages se pètent. J'imagine. Me fume. Quelle est la hitbox de ce personnage enfin? J'adore le design. J'avoue, j'espérais un feu. Ça me tend. Bon, je crois qu'on n'a pas le choix. Mais par contre, dès que c'est quelque chose qui les libère, faut se casser. Bris d'équipement droit devant, oui. Je suis d'accord avec ça. J'aurais dû passer derrière lui. Voilà, remarque.
Il y en a 3 quand même, hein. Je trouve ça pas mal, non? Non, je trouve ça pas mal. Ok, il y a ces trucs-là dans les caisses. Ok. Ok, c'est un piège. La manette a tellement vibré, my friend. Et là, tu me dis qu'il y a un brouillard là. C'est loin. J'ai pas envie d'y croire. Hein. Pour moi, ça ressemble bien à un boss, ça. Un boss, 8 fioles. C'est beau, ça, en tout cas. J'ai fait quoi comme chemin? Je suis monté les escaliers, il n'y avait pas d'ennemis. Ensuite, il y avait les mecs qui étaient là. J'imagine que c'est détruit pour le de bon. Ok, un dragon. On va renifler son cul.
Pas mal. Mec, si j'avais mon anneau là, j'ai pas le temps de l'équiper, mais si j'avais mon anneau. J'aurais pu balancer des gros éclairs, sa mère. C'est bon quand même. C'est bon. J'adore. Ah, je suis fan. Et on a gagné de la pépette, hein. De la pépette. Le paysage est magnifique, on le voit pas de... du QG, hein. Parce qu'on a fait quoi après la tour? On a descendu. Ouais, j'avoue, on a traversé les montagnes et tout, j'avoue que. J'avoue. Écaille de dragon, alright, alright, alright. Bon, et ça, ascenseur? Ascenseur en croisant les doigts pour un feu. Ah, on monte! Je pensais qu'on descendait, voyez. Ouais, on a traversé quand même les montagnes derrière la grosse tour noire, donc ouais, on est loin du QG, là on est loin quand même. Ah non, on est plus du côté de la tour noire, je suis bête. On devrait le voir, mais pas où j'ai regardé peut-être. Bon là, faut pas perdre les âmes par contre, mon coco. Là, on va voir immédiatement si on fait demi-tour ou pas en fait. Hein. Faut que je sonde. Plein de brouillard. Oui, c'est bien, les gars. Bon, on est bien baisé. Menteur, on voit droit devant, oui. Je te crois à 100%, my dude. Bon, on espère qu'il y a un feu, sinon on sait où remballer chemin. J'ai 5 fioles quand même. Voilà. Ok. Ok, il y a la gardienne du feu, il peut pas y avoir de... de douille.
faire envahir comme ça, quoi. Je suis deg. Quoi là-bas qui brûle, c'est pas un feu aussi. J'ai peur de mettre mes jumelles. Il y a un pélo qui vient là. Le feu là-bas. Ok. Very good ça. On va y retourner lui parler quand même. Tu perds 50 000 âmes là, tu te chies dessus. C'est cool d'avoir vu. J'ai halluciné. Alors, quoi? Bon. Fais pas la gueule, j'ai mis fin à la conversation parce que je me faisais attaquer. Et d'ailleurs, en théorie, je me fais toujours attaquer, hein, c'est, je sais pas où c'est. Ok, le mec est là-haut. Bien. Bon bah elle a l'air très bien cette map. Combien on a, on a joué 50 minutes, je pense que je vais y aller. Je pense que je vais y aller. Hein. Bien sûr j'imagine que je peux pas utiliser le feu. Voilà. Bien sûr. Nice to meet you man. Mais je vais pas courir te chercher pour perdre mes âmes loin du feu, mon pote. Bon, on a bien progressé. On a fait une zone, tout simplement. Donc il nous en reste deux autres là sur le chemin un peu principal. Puis après on ira fouiller à droite et à gauche. Il va nous rester quand même pas mal de boss. Faudrait que je fasse une carte des boss, tiens. Pour faire les croix et tout, là, ça peut être stylé. On va prendre notre dernier niveau en foi et on va se laisser là. Voilà. Tout simplement, il y avait aussi des salles qu'on n'a pas visitées dans le donjon juste avant. Voilà, à voir ce qu'on en fait. Voilà, comme ça je peux lancer les éclairs. Et on est bon. Tiens d'ailleurs, toi maintenant, normalement tu as des choses depuis que j'ai l'anneau du roi. Ah oui, talking, mais je crois qu'on l'avait déjà vu la dernière fois. Si je me souviens bien. Ok. Bon. Eh ben on se laisse là. Je vous dis à très bientôt. Voilà, je pense un peu plus dans le week-end là peut-être. Peut-être demain soir. Donc on essaie de poncer ce Dark Souls 2. Ben poncer, on se comprend. Je peux pas faire plus d'une heure et demie par jour, je pense. Trop stressant à mon avis. Peut-être un peu d'Age of Empire 4 quand même, ça fait un moment. Un petit tuto peut-être. Et hop. Et voilà.
Tout ça en attendant Elden Ring, et bien sûr, il y aura des petits lives un peu qui sortent de notre quotidien du gaming. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à plus. Bye bye. Prenez soin de vous. Bonne année aux fêtes, hein. Je sais plus si je l'ai dit au début du live. J'ai dit que c'était la reprise. Je sais plus si j'ai dit bonne année. Donc bonne année tout simplement. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi ça a été. Ça a été très bien, voilà. Bon. Salut à tous. Au revoir.